Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une robe colvée à volant. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble la robe Astrild. Donc la robe Astrild, c'est un patron de robe assez facile à coudre, très agréable à porter, donc parfaite pour l'été, mais aussi pour la rentrée ou même en automne avec un petit gilet et une paire de collants. Donc c'est une robe avec décolleté V devant et dos, deux petits volants ici qui se croisent et qui continuent sur les épaules et viennent se terminer dans le dos, une ceinture smoky ici qui permet d'avoir une jupe froncée, une taille bien cintrée, mais très confortable. Et on peut aussi venir faire plus ou moins bouffer la robe, le haut de la robe. Ce patron est disponible du 32 au 52 au format PDF ou pochette. Aujourd'hui, moi, je vais couper ma robe dans ce tissu qui vient de la TissuTech de Charlie. C'est un crêpe. Vous voyez, ça va être plutôt canon. Donc moi, la robe, je ne vais pas la coudre pour moi, je vais la coudre pour ma mère. Donc, on se retrouve tout de suite pour la préparation des pièces. Il faut commencer par couper les pièces dans le tissu. Alors, pour ce qui est du devant, il faut que vos pièces soient coupées comme cela. Donc, vous voyez là, c'est l'endroit de mon tissu. Donc, soit vous placez vos pièces de patron avec l'écriture face à vous sur l'endroit du tissu, soit, si vous préférez couper sur l'envers, il faut mettre vos pièces écriture face au tissu. Voilà, petite précision. Après, c'est pas bien grave si vous inversez, mais par contre, tous les schémas seront inversés. Donc, pour faciliter la compréhension, il vaut mieux que vous coupiez vos pièces comme ça. C'est également valable pour le petit volant qui viendra ici et pour le grand volant qui viendra là. Voilà. Ensuite, il vous faudra couper les pièces suivantes au pli. Donc là, peu importe, vu qu'on est au pli. Il y a le dos et la parementure dos. La parementure dos qui est, elle, thermocollée. Donc il faudra couper le thermocollant. Attention, ne thermocollez pas tout de suite. On va y venir. Et ensuite, la jupe devant et la jupe dos. Donc moi, j'ai différencié ma jupe devant en y mettant une petite épingle, puisque la jupe devant et la jupe dos ne font pas tout à fait la même taille. La jupe devant est un peu plus grande. L'étape qui suit, ça va être de surfiler nos pièces. Mais, comme je l'explique dans le livret, vous l'avez vu, les pièces du buste, au niveau du décolleté notamment, sont coupées dans le biais. Et afin de limiter leur déformation, on va venir y faire des coutures de soutien. Et les coutures de soutien, ça se fait avant de placer le thermocollant, pour la seule pièce qui est thermocollée, bien sûr. Donc, où on va faire ces coutures de soutien? Et comment fait-on des coutures de soutien? Une couture de soutien, ça se fait dans la marge de couture. Donc là, les marges de couture sont de 1, donc je vous conseille de ne pas dépasser 8 mm. Ça se fait, enfin moi, je préconise de les faire avec un point droit de longueur 3 mm. L'idée, c'est vraiment de venir faire un peu comme un fil de France sur lequel on va pouvoir tirer ensuite. Mais il faut pas non plus qu'il soit trop lâche, parce que si on veut qu'il soutienne le tissu. Donc moi, je vous conseille de ne pas faire de point d'arrêt. L'idée, c'est de venir après superposer votre patron et de voir si votre pièce s'est étirée. Et sinon, de tirer un peu sur le fil de soutien, le fil de fronce, pour que ça reprenne la bonne dimension. Et moi, je vous conseille de tirer de toute manière un tout petit peu pour venir resserrer le tissu et éviter que l'encolure ne baille. Si vous êtes équipé, vous pouvez sinon poser un droit fil thermocollant sur l'envers. Alors, je suis venue coudre les coutures de soutien sur les quatre pièces qui en avaient besoin. Donc, sur le dos. Donc, j'ai fait en deux fois. J'ai fait jusqu'ici, jusqu'à la pointe, puis je suis repartie pour pouvoir ajuster les deux en parallèle. Sur l'empiècement tout du long.
sur le devant jusqu'au cran du milieu, ici, sur le décolleté en fait, et finalement sur la parementure. Et en fait, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ici, on veille bien déjà lorsqu'on coud à ne pas déformer notre tissu. On ne le tire pas, on essaye de le maintenir au maximum. Si vous avez de votre pièce de patron, moi vous le savez, j'utilise la projection de patron, donc je n'ai pas mon papier. Vous pouvez déjà, pouf, le poser par-dessus et vous allez peut-être déjà voir une déformation, donc vous corrigez. Sinon, moi ce que j'aime bien faire, je vais, mais très, très, très légèrement tirer sur mon fil, comme si je faisais une fronce. Mais vraiment, faut pas former de fronce. C'est uniquement pour que mon décolleté vienne bien se plaquer. Là, vous voyez, j'ai bien resserré. Je sais que ce n'est pas détendu. Et donc, je fais ça sur les quatre pièces. Voilà, donc je l'ai fait sur toutes mes pièces et notamment ici sur la parementure dos. Donc je vais venir couper mes fils. Hein. Et on va venir y apposer le thermocollant. Et c'est pourquoi il fallait le faire dans ce sens-là. Comme ça, le thermocollant va bien maintenant venir figer les mesures de la pièce. Donc là, on l'applique de manière classique. Qu'en fait, venir thermocoller une pièce qui est déformée et donc maintenir une pièce dans des dimensions erronées, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant qu'on a thermocollé, on va venir surfiler le côté extérieur de la parementure. On va aussi surfiler les côtés de la pièce dos ici et pour la jupe, je la prends dans le bon sens, on surfile les côtés extérieurs. On fait ça pour la jupe devant et pour la jupe dos. Maintenant, on va attaquer la couture. Donc, on va commencer par les volants. Donc, on va devoir réaliser un ourlet sur ces volants, une finition. Donc vous avez deux options. Soit vous réalisez un ourlet rouloté avec votre surjeteuse ou votre machine, soit vous réalisez un ourlet mouchoir. Déjà, où est-ce qu'on va faire ces ourlets? Parce qu'on peut être un peu étonné par la forme de ces pièces. Je les ai placés dans le bon sens. Donc ça sera une épaule, ça sera une épaule, ça va être cousu tout du long de la pièce devant. Comme ceci exactement. Vous voyez, ça fait des petites fronces du coup quand on prend la bonne forme. Là, pareil. Et pour vous repérer, sur les deux volants, le côté le plus large, c'est l'épaule. Le côté le plus fin, ça c'est le milieu du décolleté, ça va être le côté. Donc on va venir coudre ici et ici. Alors, je vous dis déjà pour un ourlet mouchoir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer sur votre machine à coudre et vous allez faire le plus petit repli que vous pouvez, maximum 5 mm, et vous allez piquer juste au bord, le plus petit que vous pouvez. Après, vous viendrez recouper avec votre paire de ciseaux au plus près de la couture et finalement, vous replierez. Vous allez voir, votre précédente couture va vous guider, vous pliez le plus petit que vous pouvez. Et vous repiquez sur votre précédente couture et vous aurez un ourlet rikiki. Voilà. Donc globalement, vous êtes censé utiliser environ 1 cm de marge de couture pour faire ce petit ourlet. Sinon, si vous faites un rouleauté, le rouleauté, c'est qu'on va venir piquer souvent à la surjeteuse sur le côté là et ça va venir nous faire un petit rouleauté sur le bord. Ça va nous bouffer 25, enfin 2. De 2,5 mm, quelque chose comme ça. Donc, si on veut avoir les bonnes dimensions à la fin, je vous conseille, si vous faites
à rouloter, de venir couper 5 mm de marge de couture au minimum. Si vous prenez de la marge avec votre couteau sur la surjeteuse. Sinon, coupez plutôt 1 cm. Et pareil sur le grand volant. Donc pour le rouloter, je vous laisse trouver les réglages hein, sur votre surjeteuse ou sur votre machine si vous avez un pied spécial. Vous saurez bien mieux que moi. Ça dépend des machines, ça dépend du tissu, ça dépend du rendu souhaité. Vous pouvez potentiellement mettre du fil mousse dans vos boucleurs, enfin dans un des boucleurs. Ça, c'est un fil qui est plus épais, du coup, il couvrira mieux le tissu. Mais je ne vais pas me lancer dans des conseils là-dessus, parce que je suis loin d'être la spécialiste. Voilà ce que ça donne une fois que le rouloté est fait. Je suis contente, ma surjeteuse a plutôt bien coopéré. Des fois, c'est vraiment moche ce qu'elle fait en termes de rouloté. Mais là, franchement, je suis contente. Maman, si tu passes par là, tu auras, t'as déjà sûrement vu ta robe, tu auras un joli rouloté sur tes volants. Donc ensuite, on peut laisser le grand volant de côté. Et on va prendre la pièce en pièce main. Et on va la positionner sur l'envers, comme ceci. Donc là, c'est l'envers de ma pièce. Et je vais venir mettre l'endroit de mon volant sur l'envers de ma pièce. Donc mes deux pièces sont sur ma table là. C'est le dos de mes pièces. Et je vais épingler ici jusqu'à l'extrémité. Vos pièces sont supposées faire exactement la même longueur et donc on pique 1 cm tout du long, puis on surfile la couture. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est cousu et maintenant il va falloir qu'on rabatte le volant sur l'endroit, comme ceci. Donc là on va devoir marquer au fer, donc n'hésitez pas à travailler la couture entre vos doigts. Que tout se place correctement. Vous avez la possibilité de faire une sous-piqûre aussi ici, donc de venir maintenir ensemble la marge de couture et l'empiècement, comme ceci, suivant la capacité à marquer au fer de votre tissu. Moi, dans un premier temps, je vais passer comme ça. Voilà ce que ça donne une fois que c'est repassé. Maintenant, on va vouloir ici assembler le haut des pièces et on va simplement venir les bâtir, donc c'est-à-dire coudre à point long à 5 mm du bord. Parce qu'après, ça va être cousu, mais c'est pour bien les positionner. En fait, ce qu'il faut vraiment veiller, c'est que l'extrémité du volant ici arrive à 1 cm du bord de la pièce. C'est pourquoi il a fallu recouper un petit peu tout à l'heure la marge de couture vu que j'ai fait un rouloté. Sinon, on aurait eu trop de matière. Et logiquement, si vous avez été régulière pour votre ourlet mouchoir, vous n'avez pas de souci. Vous vous positionnez à 1 cm et vous épinglez ici. Et ensuite, vous piquez dans la marge de couture à 5. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc maintenant, on va prendre la pièce devant avec l'envers face à nous. Et on va venir épingler l'assemblage qu'on a fait avant, donc de sorte à ce qu'il se positionne au bon endroit. Vous voyez, là on aura notre encolure. Mais on va venir épingler envers contre envers. Ce n'est pas une erreur dans le livret. Donc on laisse dépasser d'un centimètre à l'extrémité ici. Et ici, on va aligner avec le cran. Et ensuite, on épingle le reste. Vous voyez que ça fait
exactement la même longueur. Donc ici, on veille bien à positionner le volant de la sorte. Et maintenant, on va prendre notre grand volant qu'on va venir superposer. Donc vous vous rappelez, le large côté, c'est l'épaule. Donc on va venir placer l'endroit ici. Donc, ici, c'est endroit contre endroit. Ici, c'est endroit contre envers. Mais vous voyez là, c'est assez logique si on laisse dans la même position que tout à l'heure. On voit que le volant vient se positionner comme ça. Donc on aligne le cran central. On aligne les extrémités. On est... Et comme tout à l'heure, on pique à 1 cm du bord sur tout. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Et donc comme tout à l'heure, là le but, ça va être de repasser pour plaquer le volant sur l'endroit. Donc là, comment on procède? On peut peut-être se mettre sur l'envers déjà et repasser comme ça. Donc, vu qu'on a plein de courbes, on fait très attention de ne pas faire de faux plis, hein. Vous voyez, moi j'utilise principalement la pointe. Et ensuite, on passe sur l'endroit. Si la vidéo part de travers, c'est que mon fils vient de mettre un grand coup dans mon trépied. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est repassé. Et donc, comme tout à l'heure, on va devoir bâtir ici l'épaule, toujours avec l'objectif que ça arrive à 1 cm ici. Voilà, donc on épingle et on pique à quelques millimètres du bord. Et on va faire pareil ici. Faut que ça s'aligne dans la continuité. On fait quelques points à 5 mm du bord. Et ensuite, vous voyez, j'ai surfilé les côtés de mon devant. Donc maintenant, on va mettre cette pièce de côté et on va prendre la parementure. Et on va venir marquer toutes les intersections ici. Donc pour ce faire, je prends une règle et de quoi marquer mon tissu. Donc ici, c'est un stylo friction, enfin une recharge de stylo friction. Et vous voyez ici, je vais marquer un trait à 1 cm du bord. Je vais faire pareil ici, en suivant bien la courbe. Voyez, ça me donne mon changement d'intersection. Comme ça, je vais piquer tout à l'heure, comme ça. Laisser mon aiguille planter, lever le pied presseur, tourner et continuer ici. Donc vous voyez qu'ici, il faut qu'on marque le milieu aussi. Et on fait pareil ici. Voilà. J'ai mes 3 points d'intersection. Maintenant, on va venir épingler notre devant et notre dos. Donc, vous voyez, j'ai mis mon dos devant face à nous. Et là, on va venir mettre le devant endroit contre endroit du dos. On va venir épingler ici les épaules. Donc, ici, au niveau de l'entournure, on se met bord à bord. Mais au niveau de l'encolure, il est normal que le dos dépasse de 1 cm. C'est pour pouvoir y épingler la parementure. Donc là, il faut être précis. On épingle, on va faire pareil de l'autre côté. Donc ici, on se positionne à 1 cm du bord. Et ici, on aligne bien les extrémités. Non, c'est un peu grand ça. Je vous explique pour que vous compreniez bien. Ici,
Il va falloir que ça dépasse, parce que tout de suite, on va venir épingler et coudre la parementure. Et ici, on épingle bien bord à bord, mais vous voyez, il y a le volant, lui, est 1 cm plus court, puisqu'on va venir tout à l'heure coudre un biais aux entournures. Donc, il ne faut pas qu'on prenne le volant dans notre couture, mais qu'on puisse piquer bien 1 cm toute l'entournure. Voilà. Donc maintenant, on prend notre parementure et elle, on vient bien l'épingler ici, bord à bord du dos, parce qu'on va venir la coudre au dos. C'est normal qu'elle soit plus courte, elle s'arrête en cours de route, c'est une parementure. Et donc, on épingle pareil au niveau des épaules. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, on va épingler tout du long. Et on va être précis et bien aligné au milieu. Et je viens de tilter que j'ai passé un coup de fer sur ma parementure. J'ai pu mettre la friction. Je suis une andouille. Bon, je vais les remettre hors caméra. Et on épingle bien ici tout parfaitement. Et on va piquer en une seule fois. On va partir donc bien de l'extrémité, coudre à 1 cm. Arrivé ici, donc ouf, il me reste un repère. On va laisser l'aiguille plantée, lever le pied presseur et tourner. On va coudre bien dans l'arrondi ici. Ici, ben, je vais refaire mon repère. Une fois qu'on arrive au repère, on plante l'aiguille, on pivote, on remonte. Et on fait pareil ici au niveau de l'angle et on pique jusque là. En une seule fois. Donc vous voyez, j'ai piqué. Mais il faut faire attention à une chose. Lorsque vous arrivez dans l'angle, tâtez bien avec votre doigt pour vérifier que vous n'allez pas coudre sur le volant, parce que c'est une chose d'avoir fait votre repère, mais si vous l'avez fait un peu plus d'un centimètre et que vous avez épinglé ici en laissant un peu moins d'un centimètre, vous allez piquer sur votre devant. Donc veillez bien à ne pas le faire. Une fois que vous avez cousu et que vous avez vérifié que vous n'avez pas cousu le volant, on va dégarnir et cranter. Donc on va venir dégarnir ici. On fait pareil de l'autre côté. Et on va cranter dans la pointe du V. Il faut vraiment aller au plus proche de la couture, mais sans la couper. Si vous voulez, vous pouvez cranter un petit peu ici. Mais en même temps, on a fait des piqûres de soutien. C'est le paradoxe. Vous pouvez surfiler ici aussi, puisqu'on va voir l'extrémité de cette couture. Peut-être avant de repasser, on va surfiler ici. Et maintenant, on va retourner sur l'endroit et on va tout bien repasser. Donc là, on met bien notre... Vous voyez, j'ai mis mon pouce à l'intérieur. Je mets mon index là. Et on se retourne. Si vous avez besoin d'utiliser un objet pour retourner, retournez. Utilisez-le. Mais... Et vous voyez, c'est nickel. Je fais pareil de l'autre côté. Mon pouce dedans, mon index ici. Et vous voyez mon V, nickel. Donc là, on repasse. Pour tout maintenir en position, donc on repasse ici. Donc voilà, j'ai repassé. Et maintenant, on va sous-piquer la parementure. Sous-piquer, ça veut dire coudre la parementure et la marge de couture en même temps. Donc, ça va permettre de maintenir un petit peu la parementure sur... sur l'envers. Donc on va pas pouvoir faire sur tout le long vu de la forme. Vous voyez, là c'est mon dos, là c'est la parementure. Donc on va venir sur la machine, on va prendre la marge de couture avec nous côté parementure et on va piquer d'environ ici jusqu'à là. On va s'arrêter et on va piquer pareil de là à ce qu'on peut là. Et on fait ça avec un point de 3 mm de long à peu près. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc,
Sur l'endroit, on ne voit rien. Et sur l'envers, j'ai piqué ici. Je n'ai pas coupé mon fil ici. Et ici. Donc si vous êtes maîtrisez bien le point invisible, vous pouvez venir faire un petit point invisible ici pour maintenir le bas de la parementure et éviter qu'elle se retourne. Bon, ça c'est le problème courant des top colvés où il y a des parementures. Souvent, ben, elle ressort quand on l'enfile et après une fois qu'on porte, c'est bon. Donc il faut bien penser le matin quand on l'enfile, bien vérifier que la parementure s'est bien positionnée pour que je mette tout ici où ça sort au cours de la journée. C'est aussi à ça que sert la sous-piqûre. Voilà. Donc maintenant, on va venir coudre les côtés endroit contre endroit. Donc là, on repasse sur un montage plus classique. Hein, logiquement, ça vous maîtrisez. Ça doit faire la même longueur. On épingle. On pique 1 cm du bord. On fait ça des deux côtés. Et on va venir ouvrir les coutures au fer. Donc voilà, j'ai ouvert les coutures au fer et ensuite j'ai surfilé tout le bas. On va maintenant passer à la réalisation des smokes et c'est maintenant qu'on va avoir besoin de notre élastique fronceur. Donc ici il fait 3,5 cm de large et on va couper un morceau de la longueur de notre tour de taille exactement. Donc ici, moi, vu que je coupe pour ma maman, je vais lui faire confiance et couper l'élastique à la longueur qu'elle m'a indiquée pour son tour de taille. Donc tout à l'heure, quand on coudra, on viendra replier les extrémités d'un centimètre sur elle-même. Donc là, moi, je les maintiens comme ça. Et en fait, vous voyez, je vais venir marquer le milieu de mon élastique. Et après, je replie en deux comme ça pour mettre deux autres paires. Comme ça, j'ai divisé mon élastique en quatre parties égales. Là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc ici, moi, vous voyez mon élastique fronceur, il y a 10 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc moi, je vais commencer à coudre dans la première ligne. Et après, je vais laisser deux rangées vides. Je vais coudre la deuxième ici, puis deux rangées vides. Je vais coudre ici, deux rangées vides, et je vais coudre dans la dernière. Donc ça va aller de la première à la dernière. Donc on reprend notre haut, et on va se positionner sur l'envers. Donc on va repérer le milieu devant et le milieu dos. Vous les aviez peut-être marqués tout à l'heure quand on a coupé au pli, mais bon, vu qu'on a surfilé des fois... On voit plus l'écran. Voilà. Donc il faut commencer d'un côté, peu importe. Et on va se positionner. On va positionner le bas de l'élastique à 1 cm du bas du vêtement. Bon, je vais marquer un repère. Voilà. Parce qu'après, on va venir coudre à 1 cm. Et comme ça, ça nous laissera ici l'espace, le même espace qu'entre deux bouts. Donc en fait, on va ici venir replier, vous voyez, l'élastique sur lui-même. Et on va le positionner ici, au niveau de la marge de couture. On peut mettre une épingle pour la première couture, après vous verrez, on n'en a plus besoin. Après j'épingle, mais sinon on peut se positionner directement sur la machine à coudre. Hein. C'est moi, je vais vous montrer les explications de la suite. Voilà, donc on va se retrouver sur la machine à coudre comme ça. On va commencer par faire un point d'arrêt solide dans la première ligne ici. Soyez précis parce que dites-vous bien qu'on voit sur l'endroit ce que vous piquez. Donc prenez un fil qui matche relativement bien. Donc il va falloir essayer d'être régulier et de bien piquer à positionner 1,5 cm sur tout le long. Si vous ne vous sentez pas, vous n'êtes pas très régulière, mettez des crans à intervalles réguliers.
Donc on va piquer avec un point droit de 3 mm de long dans l'interstice. Et en fait, on va devoir étirer comme ça, vous voyez, jusqu'à ce que le premier repère qu'on a mis sur notre élastique coïncide avec le milieu devant ou dos, peu importe. Voilà. Donc quand on aura cousu comme ça, on fait en sorte d'étirer jusqu'à ce que la couture de côté coïncide, jusqu'à ce que le milieu devant ou dos coïncide. Et pareil, arrivé à l'extrémité, on repliera comme ça. On arrivera bien bord à bord ici comme ça. On s'alignera bien, on fait un point d'arrêt solide. Et on aura fait notre première ligne. J'ai cousu ma première ligne de smoke. Ça commence à prendre forme. Et donc là, moi, je vais sauter deux lignes, enfin laisser deux libres. Coudre du coup dans la quatrième rangée et étirer du coup l'élastique de sorte à ce que le tissu soit tendu à son maximum sans l'étirer, le tissu, hein, mais voilà, on pique de la même manière et on fait ça du coup pour les quatre rangées. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc sur l'envers, c'est comme ça, et sur l'endroit, c'est comme ça. Et donc on va pouvoir laisser le haut de côté pour s'attaquer à la jupe. On épingle endroit contre endroit les côtés de la jupe devant et de la jupe dos. On se trompe pas, hein, la jupe, la pièce jupe a une forme trapèze, donc on épingle bien les hauts ensemble et les bas ensemble. Et ensuite, on pique à 1 cm du bord. Une fois qu'on a piqué les côtés, on ouvre les coutures au fer. Et quand on a ouvert les coutures des deux côtés, on va surfiler le haut de la jupe. Et si vous aimez bien surfiler avant de faire un ourlet dans le bas, bah vous pouvez déjà, tant qu'à être sur la surjeteuse. Donc voilà, j'ai ouvert mes manches de couture et surfilé le haut de la jupe. Maintenant, on va venir assembler la jupe et le top. Donc pour ce faire, moi je mets le devant du top face à moi. Donc là, il faut repérer le devant de votre jupe. Donc moi, c'est ici. On va repérer les milieux devant et les milieux dos. Donc moi, je plie en deux comme ça. Et je vais remettre une petite épingle. Pareil avec le milieu dos. Je fais pareil sur mon top. Donc là, on va venir épingler les côtés et les milieux dos. Donc je vous conseille de mettre votre jupe sur l'envers. Moi, le devant. Où est-il? Là, j'ai mon épingle. Donc, le devant est là. Donc, je peux déjà mettre aligner ces épingles ici. Et là, je vais glisser mon top dans ma jupe. Voilà. Donc là, j'aligne les milieux dos. J'aligne les côtés. Le deuxième côté. Et là, vous avez sûrement déjà compris, on va venir du coup coudre tout le long, mais il va falloir étirer l'élastique pour venir bien bord à bord. Et voyez, on peut mettre des crans intermédiaires si on veut, parce qu'il faut bien sûr venir bien coudre bord à bord. Et moi, je vous conseille de vous placer avec l'élastique fronceur face à vous. Bon, toujours bien veiller à bien venir aligner. On prend son temps, on se replace sur la machine. Mais pour coudre de manière régulière par rapport à l'élastique, ce sera beaucoup plus joli au niveau de la finition sur votre jupe si vous avez une couture régulière. Donc vous prenez un repère sur votre élastique et vous piquez tout du long. Moi, il me semble qu'avec mon pied presseur, je me cale sur le second élastique blanc et ça vient piquer bien 1 cm du bord. Et on fait ça tout du long. Comme ça, on est régulier et ce sera joli le rendu par rapport au smoke. Donc voilà, j'ai cousu, vous voyez, en étirant l'élastique. Donc on va regarder ce que ça donne sur l'endroit. Donc il faut faire gaffe de ne pas faire de petits plis, hein, quand on coupe.
Et vous voyez, ben c'est plutôt régulier. Bon, maintenant, on va repasser la marge de couture vers le bas. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre sur ma table, ma jeannette, pardon, et étirer l'élastique. Logiquement, ça devrait être possible. Non, j'ai peut-être été trop ambitieuse. Je vais mettre une épingle ici. Je vais étirer mon smoke comme ça, et comme ça je vais pouvoir bien repasser. Comme ça, là c'est bien net, vous voyez. Après, je décale encore un peu. C'est peut-être plus logique dans ce sens-là, vu que je suis droitière. Et en plus, ça va permettre, si vous voulez, mettez bien la vapeur après. Ça va permettre aux smoke de bien reprendre leur. Enfin, bien se resserrer. Donc on fait ça sur tout le tour. Maintenant, on va s'attaquer aux finitions. Et pour ce faire, il va falloir faire du biais maison pour les entournures. Donc, moi, j'ai utilisé le gabarit, donc là ne vous inquiétez pas, c'est le gabarit pour la blouse Quetzal, mais c'est le même pour la robe Astrild. Le tout, c'est de venir couper des bandes de 3,5 cm dans le biais. Donc moi, je prends la chute de tissu, je regarde où j'ai un petit carré isolé. Ouais, c'est peut-être un peu petit ici. Voilà, là-haut. Donc, il faut être sûr de où est son droit fil. Moi, je sais que mon droit fil est là. Et on va vouloir faire 1 mètre. Donc là, ça fait à peu près 30 cm. Il faut couper au moins 4 bandes comme ça. Donc, vous voyez, il faut que ce trait-là soit dans le droit fil. Donc, à peu près ici. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une règle japonaise. Donc, moi, je sais que mon droit fil est ici. Du coup, il faut que je me place dans la diagonale. J'étais pas mal. Donc, je vais commencer comme ça. Je vais utiliser un feutre qui s'efface à l'eau. Feutre qu'on achète au rayon papeterie dans les grandes surfaces. Donc je trace rapidement des deux côtés à l'aide de mon gabarit, et après vous voyez, je vais pouvoir relier avec ma règle. Bon, je vais pas aller trop haut non plus hein, pour économiser mon tissu. Et après, moi, je vais utiliser ma règle. Donc, est-ce que je vais avoir suffisamment long? Là, j'ai 30, 30, 1, 2, 3. Je vais encore en faire une ici. Voilà. Donc là, je vais découper mes bandes. Là, je vais venir couper dans cet axe-là. Là, j'ai une très longue bande. Mais j'ai pas poursuivi le trait. Et ici, ça s'arrête là. Donc maintenant, on va venir les assembler deux à deux. Endroit contre endroit. Là, moi, c'est bien l'endroit de mon tissu. Je vais venir ici superposer une autre bande. Et après, nous, on va vouloir faire une seule et unique grande bande. Donc, on va vouloir que ça se place comme ça. Donc là, on va venir coudre dans la diagonale. Si vous avez un doute,
tester. Regardez, si je plie comme ça, ça va pas du tout. Alors que si je couds ici, ça va se mettre dans le bon sens. Donc là, je vais venir, je vais vous le tracer. Je vais venir coudre ici. Tac. Et on fait ça pour les quatre bandes dans la continuité. Donc voilà, maintenant on a une longue bande, mais on a des fils qui dépassent et un surplus à recouper. Donc on va couper tout ça. On coupe tous les fils et on dégarnit, vous voyez, pour laisser 5 mm. Et maintenant, on va ouvrir chacune des manches de couture. Moi, j'aime bien donner un petit coup sur l'endroit aussi. J'en ai loupé une. Voilà. C'est plutôt bon signe si je ne les vois pas. Et maintenant, on va plier la bande en deux, envers contre envers, sur toute la longueur. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre longue bande de biais, on va venir l'assembler à l'entournure. Et donc on va se placer au niveau du dessous de bras. Et on va venir se positionner. Donc on a notre biais comme ça qui est plié en deux. On prend les deux bords à cru qu'on vient positionner sur le bord à cru de l'entournure. Donc on met le début du biais au moins 3 mm avant la couture de dessous de bras. 3 cm, pardon. Et on va venir commencer à piquer au niveau du dessous de bras. Donc on laisse 3 cm de libre. On va piquer d'une largeur de pied presseur et tout au long de la couture, c'est le biais qui va venir se modeler pour prendre la forme arrondie de l'entournure et pas l'inverse. On fait ça sur tout le tour. Et arrivé, donc je vais mettre une épingle pour simuler la couture. Donc ici, je vais recommencer à piquer à 5 mm du bord. Disons qu'ici, après, j'arrive, j'ai cousu jusqu'ici. Vous prenez votre longue bande de biais que vous avez, qui fait 1 mètre, voilà. Et là, vous voyez, j'arrive comme ça. Et ben moi, je vais couper ma bande à peu près ici. Vous voyez qu'il y a quelques centimètres de recouvrement. Moi, en vrai, je ne sais pas quelle longueur j'ai. Donc, je coupe juste l'extrémité. Et en fait, on va venir plier le bout comme ça, sur lui-même, pour faire une jolie finition. Donc là, on est sur la machine à coudre. Donc là, c'est le bord qui est joli. Donc, on va venir enquiller celui-ci dedans. Bon, on recommence. Voilà. Donc tout ça, logiquement, vous avez coupé pile poil à la bonne longueur. Donc ça arrive sans faire de pli. Là, moi, j'ai un bourrelet de tissu. Donc faut il faut qu'il y ait au moins 1 cm de recouvrement. Et on vient finir notre couture qu'on avait commencé ici. Et comme ça, on a notre bord qui est bien maintenu. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait l'autre côté. Donc juste cette couture-là. Vous voyez, j'ai commencé à piquer ici. Et après, j'ai replié ici. J'ai mis mon bord, mon autre extrémité. J'ai fini ma couture. Donc j'ai quelque chose de cylindrique. Ici, au niveau du volant, donc on pique comme ça, on veille bien à aller soit 1 mm, mais on ne vient pas prendre le volant dans la couture, hein. On est vigilant. Et là, on va venir dégarnir de moitié la marge de couture sur tout le tour. Donc, on fait gaffe de ne pas couper du tissu qui pourrait se trouver en dessous. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc là, on peut reprendre le fer à repasser et la jeannette. En fait, on va venir rabattre le biais. Donc, déjà, là, on l'a cousu comme ça. On vient le rabattre vraiment sur
l'envers, comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire en deux fois. On peut d'abord venir mettre un coup de fer comme ça. Donc, avec la marge de couture qui est vers le buste. Pour bien aplatir à ce niveau-là. Voilà. Et là, on va pouvoir rabattre sur l'envers. Donc, ici, on est bien bord à bord. Et on fait ça sur tout le tour. Et après, on va venir piquer à 5 mm du bord en se plaçant sur l'endroit parce que la couture est toujours plus jolie sur l'endroit. Et en fait, ça viendra coudre ici juste au bord. Par contre, on ne commence pas n'importe où. Vous voyez ici, on a le volant. Et nous, on ne veut pas coudre sur le volant. Donc moi, je vous conseille de pousser le volant comme ça. On va, tant pis, ce ne sera pas cousu sur 2 mm ici. On commence à piquer au plus proche qu'on peut sur tout le tour et on s'arrête juste ici. Mais comme ça, le volant reste libre. Et une fois qu'on a piqué, on donne un dernier petit coup de fer pour tout bien positionner. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. La dernière chose qui nous restera à faire, c'est l'ourlet du bas de la jupe. Donc pour cela, je vous conseille de venir faire un premier repli de 2 cm, de marquer au fer sur tout le tour, puis un second repli de 2 cm, qui est une marge d'ourlet de 4 cm, et de venir piquer à 1,8 juste ici, en cousant sur l'endroit, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la couture est plus jolie sur l'endroit. Et vous aurez terminé votre robe. Voilà, la robe pour ma maman est cousue. J'espère que vous aussi, vous vous êtes cousu une robe Astrid. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux et à me taguer. J'aime toujours voir vos créations. Si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans la partie ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.